je m'apprête à lancer un nouveau test, là. Où es-tu ? Ah, désolé. Une panne de bus et aucun taxi disponible. Mais j'arrive dès que je peux. Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous, les amis ? Moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 16 de notre incroyable aventure sur Spider-Man. Comme d'habitude, prévoyez un petit truc à manger, un petit truc à boire aussi, pourquoi pas, histoire d'éviter de se déshydrater. Vous connaissez les bails. Waouh ! Voilà, c'était pour le côté un peu incroyable et spectaculaire de ce début de vidéo. Oh, Rio de Janeiro ! Je voulais vous remercier d'avoir trouvé un emploi à Miles au Refuge Fist. C'est un plaisir. Et appelez-moi Peter. Monsieur Parker, c'est... ça irait mieux à quelqu'un de plus posé que moi. Je dois vous avouer qu'il a hésité. J'ai fini par lui donner le choix entre ça ou de nouvelles séances de thérapie. Il a besoin d'agir. Et il déteste qu'on ait pitié de lui. Je comprends, je suis pareil. J'en parlerai à Tante May. Et je ferai en sorte d'être là pour son premier jour. Merci encore. Nous vous sommes vraiment reconnaissants. Ok, on a donc une quête secondaire juste ici, c'est incroyable, à côté du laboratoire d'Otto. Mais avant cela, chose promise, chose due, on va regarder non seulement les tenues, il y a peut-être encore de la nouveauté, il y a de la nouveauté, le costume furtif, donc on le déverrouillera un petit peu plus tard, il est stylé. Je le trouve franchement très stylé, mais on va, les gars, faut, on n'a pas le choix. Oh putain, c'est terrible! Attendez, peut-être celui-ci finalement, non? Costume Scarlet Spider, peut-être celui-ci, technologie de réalité augmentée générant des leurres holographiques étourdissant les ennemis. On va prendre celui-ci, d'accord? On va le débloquer calmement. Voilà, une tenue à chaque épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette tenue. Et on va reprendre l'autre pouvoir. Et pourquoi pas débloquer quelque chose? Tiens, excusez-moi, je me trompe très souvent de touche. Pourquoi pas débloquer quelque chose? Qu'est-ce qu'on a de beau? On peut avoir des trucs vraiment cool. Sachant que j'ai 4 points de compétence. Maintenir R2 et croix. Ça, ça peut être cool. Non, c'est forcément cool. Ça, c'est forcément cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Saisie aérienne, très bien, on va peut-être améliorer un petit peu. Le lancer, ça peut être pas mal. Frappe au sol, là c'est à base de combo, ça m'intéresse pas de ouf. Revanche, appuyer sur triangle après une esquive parfaite sur un ennemi armé d'un fusil ou pistolet pour l'éliminer instantanément. C'est pas mal du tout. Ça coûte 3, mais c'est genre vraiment pas mal. Et là, déclenche immédiatement un second coup de grâce sur les ennemis de base. D'accord. D'accord, bah j'ai plus de points, donc au moins c'est réglé. On y va. Hop, direction le labo d'Otto. C'est parti. On va voir ce qu'il a à nous dire et on va voir ce qu'on va y apprendre. Je pense que ça va pas tarder à dégénérer toute cette histoire. Moi, je vous le dis, les gars, ça sent pas bon. Et sachant qu'apparemment, la deuxième partie de ce Spider-Man est juste incroyable, le meilleur reste clairement à venir. C'est parti, Otto, dis-moi tout. Parlez au docteur. Pardon pour le retard. Bonjour, Peter. Ou bonsoir. Ça ne fait rien. Tu peux vérifier les neurocapteurs? Il nous faut un temps de réponse plus court. Bon, okay. Charge. On est parti pour un mini-jeu. On va le faire vite fait, pas de soucis. Allez, wow, ça va pas être trop compliqué normalement. Toujours avec une petite intro assez sympa. Vous en pensez quoi alors de ce costume? Qu'est-ce que c'est? Interface neuronale direct. Temps de réponse actuel, ok. Temps de réponse visé, 3 millisecondes. Très bien. Voyons, je dois pouvoir optimiser ce relais électrique. D'accord. Pour l'instant, il n'y a rien à faire. Ah, bon, bah c'est le classique. Bon, très très bien. On va... Il y a un plus 2 ou un plus 1. Je pense clairement que c'est plutôt le plus 1 qu'il va falloir mettre ici. On va essayer avec un plus 1 pour le moment. C'est parti. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Voilà, donc va falloir certainement passer par ici. Très bien, on est pas mal. On est pas mal du tout. Ok, ça c'est pas possible. On va essayer comme ça. Ok, je suppose que là faut... Voilà, faut le mettre comme ceci. Très très bien. Je vois pas dans quelle situation ça peut nous être utile. Ok, je vois maintenant dans quelle situation ça peut nous être utile. Très bien. Très très bien.
très 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 bien. Ok. Plus comme ça, voilà, je vois plus les choses comme ça. Bougez pas. Les musiques sont vraiment ouf. Non mais il faut le dire, voilà, il y a des choses à dire. Et là, clairement, il faut le dire. Très bien, c'est pas mal. Je suis le boss. Voilà. Je suis totalement le boss. Parfait. Ok. Et ensuite... Ok. On n'y est toujours pas. Relais électrique, ça c'est fait. Il y a un problème d'impédance sur ce circuit. Calibrage, bien sûr. Il manque un peu d'impédance, je peux comprendre. Et c'est déjà la merde. C'est déjà totalement la merde. D'accord. On va mettre du plus 3 par ici. Du moins 1. Il faut combien? Tension actuelle 5, il me faut du plus 4. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah. Et ça, je peux pas l'enlever. En fait, va falloir que je passe, que je prenne une indépendance totalement contournée avec une backdoor, n'est-ce pas? Très bien. Très bien, regardez. On va faire donc comme ceci. Ça, comme ça, et ça, aucun souci. Ça dégage pas du tout. Pas du tout. Non, si, c'était bien ce que j'avais fait. Voilà! Je suis boss. On est bon? Fini. Non, il manque une étape. Il manque une étape. Que ça soit inférieur à 3. Rapport signal bruit et fossé. Changer le processeur de signal devrait réduire la latence. Ça me paraît tellement évident. Très bien. Tension actuelle, strictement 0. Et ça, c'est dingue. Et il faut que j'arrive à 5. Et ça, c'est encore plus dingue. Donc, par conséquent, si je contrebalance la backdoor, je dis des trucs totalement aléatoires, hein, c'est de la merde. Mais ça fait toujours très stylé dans une vidéo let's play. Voilà. Si j'underground l'asphalte sur le côté, je peux, je pense, très rapidement underwater tout le reste. Et ça, c'est évident. Mais c'est évident. C'est tellement évident. Moins 1. Moins 1. Ok. Ça, c'est fort embêtant. Ça, ça me paraît pas mal. Ok. Et là, celui-ci. Voilà, maintenant on va passer sur du plus 4. Et ici, plus 2. Ah, tension actuelle 8, il me faut 5. Je comprends. Je comprends. Je comprends que ça me casse les couilles. 6, il faut 5. Très très chiant. Ok, on va laisser le plus 4, toujours 6. Là, j'ai mis un moins 1. Bah, faut que ça soit un moins 2, tout simplement. Allez, ça dégage. Bien sûr! Mais oui, c'est clair! Allez, on est bon! Je suis le boss! Bon, on a fait les bras. On a fait le système neuronal. Je pense que le docteur Octo est bientôt full stuff. J'ai réussi, Doc. 2,8 millisecondes. Beau travail, Peter.
Ça nous fait une petite victoire. Vous voulez rire? C'était génial! Un coup de main? Oui. Qu'est-ce qui se passe, docteur? Ça se voit tant que ça. Mon médecin parle d'un désordre neurologique dégénérescent. Très certainement dû à une surexposition aux produits chimiques dans ma folle jeunesse. Et je peux faire quelque chose pour vous? Oh, tu m'aides déjà. Le pire, c'est que ça affecte seulement les muscles. Le cerveau, lui, fonctionne toujours, mais... il ne peut plus agir. Tu es le seul à savoir, Peter. J'aimerais que ça reste entre nous. Bien sûr. Et si tu préfères trouver un travail qui aurait plus d'avenir... Non, j'ai voulu travailler avec vous pour ce que vous avez là-dedans. Et ça a pas changé. Alors je reste ici. Okay. Oh, Peter, avant que j'oublie, j'ai lu un article passionnant qui pourrait nous guider dans le développement de l'interface neurale. J'y jetterai un œil. Merci, Doc. Crie pas, hein, Peter, hein. On est à côté. Hein. Bon. Bon, bah, vous savez ce qui va se passer, ça reste fort inquiétant. Il fait de la peine, l'auto, très clairement. Le Doc les adore. Il les utilisait à l'université quand il devait manipuler des isotopes radioactifs. Il dit qu'elle l'aide à rester humble. Ok, petite dédie pour les lunettes. Je pensais que c'était la banane, mais non, c'est bien les lunettes. Très bien, bah tiens, on va fouiller le laboratoire du Doc, histoire d'apprendre des petits trucs. Qu'est-ce que c'est, Doc? J'avais encore jamais vu cette matière. C'est pour faire de la soudure, tu le crois, ça? Il offre une protection magnétique remarquable et limite la contamination croisée entre l'interface neuronale et les bras. Ok. Bon, on va pouvoir retourner à notre objectif. Je suis Kiblo dans quoi, là? C'est totalement quelque chose d'invisible qui m'a bloqué, c'est pas grave, c'est pas bien grave, on peut pardonner les gars, aucun souci. Il reste plus rien à fouiller? Non, ah si, on a quelque chose. Je me souviens du jour où je suis venu passer mon entretien. Peter commence à se douter de quelque chose. Il le cache, mais je le sens. Il a vu mes sursauts, il a remarqué la déchéance de mon contrôle moteur. Bon, c'est moi qui ai voulu un génie comme assistant, bien sûr qu'il a compris. Il me faut juste un peu plus de temps. Mon travail peut aider des millions de personnes, sauver des millions de vies. Il peut aussi sauver la mienne. Il me faut juste un peu plus de temps. Ok. C'est pas bien de laisser les dictaphones ou ou en guise de journal intime sur les bureaux. Oh, le bras était incroyable, hein. Il était tellement stylé par contre, en vrai. Interface directe avec les noyaux gris centraux. Prometteur, mais risqué. Je sais pas, Doc. Il faudrait un treillis de gallium pour que ça marche. Et les risques de blessures resteraient élevés. Du gallium, c'est génial. T'en fais pas pour les risques. On s'en occupera en temps voulu. Ok, ça c'est fait. On peut refouiller quelque chose. Ah, c'est toujours la banane. On peut sur le même bureau? Ouais. Qu'est-ce que j'ai pas? Ah... L'état du Doc s'aggrave. À ce rythme, il aura perdu le contrôle de ses fonctions motrices dans moins d'un an. Et si on fait pas attention, un implant intracrânien pourrait accélérer le processus, voire altérer sa personnalité. Il va falloir être prudent. Bon, de toute façon, on sait tous ce qui se passe, hein. Vous avez tous vu des films ou des dessins animés ou lu des comics, hein. On sait ce qui va devenir. Est-ce que tu passes aujourd'hui? Oh, tante May. Doc, désolé, mais ma tante vient de m'envoyer un message. Pas de problème, Peter. Je pensais faire une pause, moi aussi. Dès que j'aurai vérifié les données télémétriques. On se fait la bise? Merci. Je serai de retour. Merci encore, Peter. Je ne sais pas ce que je ferai sans toi. Ok. On est parti, on va voir tante May.
Ah, il est pas mal du tout le costume en vrai, hein. Il est pas si dégueu. J'étais pas très très fan. Oh, j'ai hâte qu'on essaye celui des punks. Non, pas du tout. Mais j'étais pas très très fan, mais en vrai, pas mal du tout. Ça donne plutôt un style cocasse, si je puis me permettre l'expression. Salut, mais. Laisse-moi deviner, tu es en retard. Même pas, je suis déjà en route. T'as des nouvelles de Miles ? Non, mais sa mère m'a dit qu'il venait, donc. Parfait, j'arrive bientôt. À toutes. Allez, on a quelque chose ici. Je suis très curieux de voir ce que cela implique. Ça serait la première fois. Ah oui, ces trucs. Oh putain, l'affaire. Faut le faire. Allez, faut le faire pour les futurs costumes. C'est pas grave, c'est au passage. On va essayer de bien s'en tirer du premier coup. C'est quoi déjà ? Okay. Je peux pas laisser ces bombes exploser. Ok. Ok. Ok, celle-là, très c'est bon. Bien. D'accord, c'est bon, je me souviens. J'ai eu un petit trou de mémoire sur ce qu'il fallait faire. Aucun souci. Voilà. Dépêche-toi. Encore une, il reste 30 secondes. On est très très large. Mais là, le projet, c'est vraiment essayer d'avoir un max de médailles cool. Okay. Cassez-vous! Ça a appliqué! Si proche de la perfection. Ah, dommage! Bon, ça fait quand même 3 jetons de défi, c'est plutôt cool. On va pouvoir aller voir Tank May. Merci, hein, sucez-moi. Hein. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Oh, des sœurs jumelles, je vous adore, merci. Merci, pipez-moi. Ah, il y a des gens qui parlent anglais, d'autres français. Il y a des gens de l'armée qui passent d'ailleurs en travers les passants. Très bien. Et bah, y a beaucoup d'animation par ici! Le jeu est incroyable, putain, les gars! On en est à l'épisode 16, je suis toujours aussi surpris de la qualité visuelle vraiment impressionnante. Y a pas eu autant de downgrade graphique que la plupart des jeux teasés, hein, quelques années auparavant. Non, là, on est vraiment sur le jeu, le Spider-Man. Pas parfait, parce que rien n'est jamais parfait, évidemment, mais le meilleur en tout cas. Clairement, c'est le meilleur jeu Marvel à ce jour. Je... Impossible que... Non, il n'y a pas mieux. Clairement, il n'y a pas mieux. Et me dites pas Batman, parce que bah, c'est du DC, hein, bien évidemment. Du DC, comme on dit dans le milieu. Chers auditeurs, vous avez sûrement entendu parler de l'émeute à Empire State University. Mais c'est pas qu'une histoire d'alcoolisation Hop, ça dégage, hein. GGG's le baise. Qu'est-ce que tu fous ici ? Il est costaud, c'est... Tu viens de faire une grave erreur, Toga. Quoi ? Vous n'êtes pas un peu trop nombreux pour vous en prendre un ado ? Ok, bon, on va prendre ça, hop, ça, ça dégage. Hop, une petite... Voilà. Voilà. Ok, c'est pas mal. Voilà, lui on le monte en l'air littéralement. Ok, hop. Oh là là, tellement. Oh, c'est bon. J'ai appris des plus grands. Ok. Et lui, on va le terminer. Ils ont touché Miles. Ça va ? Vous êtes Spider-Man. Vous êtes l'incroyable Spider-Man. Le spectaculaire Spider-Man. Tu utilises des adjectifs plus flatteurs que Jameson. Écoute, t'as été courageux. Mais la prochaine fois, faut laisser faire les pros. Ok ? Ok. Et si les pros sont pas là ? Non, tu peux pas te jeter comme ça sur des types qui font deux fois ta taille. Enfin bon, moi je dis ça. Ça m'arrive souvent de combattre plus fort que moi, mais tu vois, dans ces cas-là, je... Ouais, une fois vous avez affronté le Rhino sur le pont de Brooklyn. Ah, c'était trop génial. Très bon exemple. Si l'ennemi est plus fort, il faut être plus rapide. Ok ? Je sais, mais c'est facile à dire pour vous. Désolé, mais moi, je suis pas comme vous. Allez, mets-toi en garde.
Sérieusement ? Ouais, vas-y. L'important, c'est de toujours rester calme. On inspire, on expire, on se détend. Les hanches face à l'ennemi. Tu attends qu'il attaque, tu bouges tes pieds, et quand ils sont déséquilibrés, tu cherches une ouverture. Bam ! Comme ça ? Ouais, voilà, c'est bien. Ok. Allez, cette fois, tu frappes pour de vrai. Dans la mâchoire. Ok. Ok ? Vas-y. Oh, oh mince ! Pardon ? Ah, non, non, non. Non, pas de problème. Continue comme ça et tout ira bien. Bon, fin de la leçon, je dois y aller. Merci pour tout. Y'a pas de quoi. J'ai frappé Spider-Man. Buy me a beer, brother? Le refuge devrait être droit devant. Oh, quoi? Ok, maintenant on joue Miles Morales. Yo Miles, ça va? Oh mon pote, tu vas pas me croire! Je viens de rencontrer Spider-Man! Quoi? C'est dingue! Eh, tu lui as montré notre appli de piratage? Oh non! J'ai complètement oublié! Ah, oh, t'assures pas! Il te l'aurait forcément acheté et on serait devenu célèbre! Ouais, je lui montrerai la prochaine fois. Faut que j'y aille, j'ai promis à ma mère que je serai pas en retard. Ok, à plus alors. Allez, circulez, circulez! Bon! Je pense que je peux vous le dire parce que quelques trailers ont fuité. J'espère que personne n'est blessé. Le marché. Je peux passer par là. 50%. Ok. Là, ça vaut le coup. Qui a klaxonné ? C'était vous ? Mais voilà, vous le savez. C'est ce que je voulais vous dire dans l'épisode il y a longtemps, mais depuis, beaucoup sont partis se renseigner. Vous me l'avez dit en commentaire. Et ça fait plaisir d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a là ? On a plus de piratage. D'accord. Ok, il pirate des choses à distance. Très très bien. Donc voilà. Et puis franchement, il est plutôt stylé hein. Sortez vos pièces d'identité et attendez d'avoir été contrôlé. Ouais. On y va, hein, bat les couilles hein. Mais c'est pas vrai. Ça va mettre des plombes. S'il n'y avait pas ce drone, je passerais par-dessus la barrière. Allez hop. Ça dégage, je l'ai à coup. C'était trop facile. J'y crois pas, les systèmes de SAM, c'est vraiment une passoire. Je me demande si je devrais pas leur envoyer un petit tuyau anonyme. Ok. Mieux vaut éviter ces types-là. Ok, petite appli de piratage. Ne laisse pas tomber. C'est le moment ou jamais. Très bien, jusqu'ici pas de problème. J'espère Allez, qu'il est pas bien loin. Je peux passer sous la barrière à gauche ou par l'échafaudage à droite. Ok, j'ai un choix. D'accord, soit je me la joue Spider-Man, soit l'échafaudage. On va prendre l'échafaudage. Ça me paraît franchement plus cool. L'échafaudage devrait m'aider. Parce que à gauche, on va... Voilà, c'est phase d'infiltration en terre à terre. Là, on va rester en hauteur. Il y a juste des drones à pirater. Encore des drones ? Je dois les désactiver. Voilà, ça dégage. Mieux vaut pas me faire repérer. Il joue sa vie... À tout moment, c'est terrible. Oh non! Et bonne nuit. Ce serait tellement cool si c'était un peu moins flippant. Ok, aucun souci. On a traversé. Ok. Et ben voilà! Nous y voici! Et ben. Hey, salut maman! Salut mon chat, ça va? J'ai bien arrivé au refuge, fils? Ouais, j'y suis presque. Mon chéri. Tu n'es pas obligé de travailler à ce refuge, tu sais. T'as dit que je devais? Non, je t'ai laissé le choix. Ouais, et ça vaut toutes les séances de psy. Enfin, je veux dire, ça m'a aidé, hein. Le gars me dit qu'on vit pas tous le chagrin de la même manière. Moi, c'est ça ma manière. Très bien, désolée. Maman. Oui? C'est pas parce que j'ai pas envie d'en parler que je t'aime pas. Oh, mon chéri, je t'aime tellement. On s'en sortira, d'accord? Je dois y aller. Je t'appellerai sur le chemin du retour. C'est vraiment ouf toutes les animations qu'ils ont faites. C'est vraiment insane. On peut s'arrêter et regarder. C'est juste ouf. Ça a l'air de tourner en boucle, je suppose. Mais je trouve ça tellement bien fait. Ah, il porte des Adidas. Très bien. En tout cas, on distingue bien les trois bandes. Je pensais qu'ils en auraient mis un peu moins. C'est tellement insane.
Ça tombe bien en boucle par contre. Ok, on est parti direction le refuge. On va voir un petit peu ce qu'il y a. Des fois, voilà, faut prendre le temps d'aimer. Vous voyez ce que je veux dire? Le temps de kiffer. Et là, ça, ça c'est le kiff. Tu vois, un son en plastique, une guitare, un duo de choc. Oh, des barres! Je me suis mis devant, il soulève l'appareil, genre. Oh, des barres! Oh, c'est tellement ouf! Ce genre de détail insane! Non, je vous jure, je les vois, je les entends. Bon, respirez c'est calmement, je reviens, monsieur Hodges. Salut, Miles. Peter. Désolé pour le retard. Non, c'est rien, je suis content de te voir. D'accord, alors... qu'est-ce que je peux faire? Tu pourrais commencer par te familiariser avec le centre. Parler à des gens. En distribuant du café. Café, ok. Et je passerai te voir pour vérifier si tout va bien, d'accord? Ouais... Oh, t'en fais pas pour monsieur Hodges. Il mord pas. Enfin, pas trop. T'es sûr? Café? Merci. Je peux aider? Seulement si tu peux me dire ce que c'est qu'un quark. C'est une particule subatomique. Ce sont les éléments constitutifs des protons, des neutrons, des hadrons. Subatomique. Ça rentre? Bien joué, petit. Oh, c'est de la camelote. Oh, saleté! Mais pourquoi ça marche pas? Je peux jeter un œil? Hein? On a des tubes cathodiques au lycée. Je sais comment ça se répare. Tubes cathodiques à quoi? Non, non, suffit de... Mais tu... trois fois! Et... ça repart! Ou... il y a un faux contact, peut-être. D'accord, d'accord. Eh ben vas-y, essaie, hein, monsieur le petit génie. Allez, à toi de jouer. De nombreux hommages ont encore été rendus à l'agent Jefferson Davis, le héros tué lors de l'attentat à l'hôtel de ville. D'après de nouveaux témoignages, il aurait utilisé son corps comme bouclier pour protéger des gens de l'explosion. Hé, hey, le nouveau, je suis à sec, là. Un héros? Il a rien fait d'héroïque, il s'est juste fait sauter. Ah, Ernie, je vous présente Miles. Il vient donner un coup de main. Vous avez dû entendre parler de son père, Jefferson Davis? Avec tout ce qui lui arrive en ce moment, c'est plutôt sympa qu'il soit venu nous aider. Pas vrai? Ouais. Merci. Écoute, gamin, je... je suis désolé pour ton père. Viens, Miles. Ma tante a besoin d'aide en cuisine. Tante May, je vais devoir y aller, mais... j'ai amené des renforts. Ah, Miles, je suis ravie de te voir. Bien, mets un tablier, lave-toi les mains et je te fais visiter. Hé, hey, Peter. Merci pour ce que t'as dit là-bas. Pas de quoi. Il est presque midi. Sable va déplacer le docteur Michaels. Il faut que j'aille à la Bowery pour le retrouver. Il m'a fait de la peine de ouf, putain, le salaud! Ah, oh, c'était terrible quand même cette situation. Allez, on y va les gars, on ressort de ce refuge. Le courant passe vraiment bien. Ouais, j'ai pas le temps les gars, j'ai pas le temps de vos conneries là. Il faut y aller. Allez, on va sortir. Ah, oh, putain, on est déjà à 30 minutes de vidéo, c'est terrible. C'est terrible, j'étais bien là. J'étais bien à suivre les cinématiques avec vous. Merde! Je peux prolonger, mais est-ce que je vais le faire? Je sais pas si vous méritez. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire, on se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure sur Spider-Man. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur Dragon Quest qui était vraiment cool. Et je vous dis, portez-vous bien. On va garder ce costume encore un épisode parce que c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu. Et c'est bien dommage parce que là, on commence à rentrer dans la narration pure et dure de cet opus incroyable. Je vous fais d'énormes bisous. À très bientôt. On va terminer sur un petit défi des familles histoire de gratter quelques jetons encore.
Et puis on sera bon. Salut Yuri. Je me rends dans le Bowery pour m'assurer que Michael sera bien à l'abri dans son nouvel abri. J'éviterai à votre place. Silver Sable a été très clair. Vous n'êtes pas le bienvenu. Ouais, bah qu'est-ce qu'elle va me faire? Me tirer dessus? Honnêtement, il y a 50% de chance. Ah, ok. Je serai dans les environs, mais pas trop près, au cas où. Allez, on est parti, on va faire cette petite quête secondaire. Et on est bon, ok, ok, faut commencer à droite, faut commencer à droite. Je me dépêche de désamorcer les bombes. Ok. Voilà. On va essayer de faire vite. Ok, celle-là, c'est bon. Jusqu'ici, pas de soucis. Je me concentre, hein. J'aimerais bien avoir une petite médaille d'or, ça serait plutôt cool. Ok. Jusqu'ici, vraiment pas mal. Ok, plus qu'une. Allez, allez, s'il te plaît. On est très très bien en plus là. Ok. Ok. Ça me paraît pas mal. Ça c'est de l'or ça. Ça c'est de l'or mon pote. Mais je peux faire mieux. Mais non, mais c'est chaud. C'est chaud de ouf. Allez, n'oubliez pas le j'aime encore une fois et le commentaire. Je vous fais des bisous. À très bientôt tout le monde. Ciao ciao.